Et salut à tous, c'est ABS, comment ça va? Alors c'est pas le MT-09 aujourd'hui, c'est le 300, comme je vous l'avais dit, le 300 je l'ai toujours. Mais je l'ai passé en enduro. Est-ce qu'on est... Vas-y, on va contourner. On va dire que je viens de laver mes fringues tout de suite là, on va les rendre plein de boue aujourd'hui. Mais oh ouais, bah, de toute façon on y va, on va dire qu'il n'y a pas trop le choix. Voilà, je peux même pas faire mon intro tranquille en fait, je me fais tout de suite arrêter par de la bouffe. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Je fais une petite balade enduro avec des potes ce matin. Un petit dimanche matin, putain il fait beau et tout, il fait bon. Il doit faire genre 15 degrés là, donc on n'est pas en train de cramer de fou. En même temps, on n'est pas non plus... Allez, je me concentre pour éviter de pas... Voilà, j'ai pas envie de finir tout de suite dans la flotte. Bon, ça risque d'arriver. Ok, on se calme. On fait une petite balade un dimanche matin, voilà. Donc là, je les rejoins. Et une fois que je les aurai rejoints, de toute manière, on se refera un petit débrief avec eux. Ah putain, ça trempe bien quand même, hein. Alors, je suis pas le... Clairement, s'il y a des experts d'enduro qui me regardent, ils doivent se dire, mais mec, t'es bidon. Alors oui, je suis complètement bidon. Je suis vraiment pas un expert d'enduro. Je suis vraiment un gros novice qui fait des balades. Mais quand je vous dis balade, c'est balade, quoi. C'est vraiment... Je prends des trucs non plus... Enfin, on se fait des petites montées par-ci, par-là et tout, mais on fait vraiment des trucs tranquilles. Le but, c'est vraiment d'aller faire un petit tour dans les paysages et de faire 2-3 grimpettes, mais vous verrez rien de spectaculaire aujourd'hui, clairement. Oh là, il y a une petite saucisse. Donc on y va tranquille. Deux saucisses. Souvent les chiens ils nous coursent, c'est ça le problème. C'est que la dernière fois il s'est passé ça, je suis en train de partir et genre je me retourne une minute plus tard et j'avais littéralement les chiens qui étaient juste à mon cul avec les maîtres qui étaient archi loin. Putain, ça c'est chaud. Bon, l'intro on va pas la faire trop longue, je vais m'arrêter là. Je vous dis à tout à l'heure, j'espère que la vidéo vous allez kiffer. Et puis bah, peace. Alors oui, je vous récupère là quand même pour vous dire que je vais pas faire du commenter 100% comme des fois j'ai l'habitude de faire. Là, le but c'est vraiment de vous mettre des plans séquences, de kiffer un peu le bruit du deux temps. Voilà, je vais pas vous faire un vlog. Là, c'est clairement pas un vlog, hein. On est juste en train de kiffer l'enduro, de kiffer la nature, de kiffer des plans. Et je vous laisse en musique du deux temps. Voilà, voilà. Vous venez d'arriver ? D'arriver. Parfait. Ça va ou quoi ? Tu vas bien ? Ça va. Putain, j'ai pas réussi à la démarrer pendant un moment. Et j'ai oublié complètement que Raph il m'avait pété le levier. Sauf que le levier de vitesse il est archi bas pour passer une vitesse, genre chimaras. Ah, parfait. Ça va ? Bon, bah, on est raccord. Ouais. On est raccord sur le temps. Ouais. Donc, on est parti dedans. Je t'envoie le texto. Putain, je disais, j'avais oublié que Raph il m'avait pété le sélecteur. Il est super bas pour passer les vitesses. Comment j'en chie, faut que je me torde la cheville. Ah, c'est beau, hein. C'est beau quand ça démarre. Il l'a mis là. Faut que t'embrayes pour démarrer? Toi, tu connais le chemin? Vas-y. C'est pas grave. Je connais pas, moi.
Est-ce que c'est pas beau ça, les gars? Est-ce que c'est pas juste trop beau ça en fait? Allô? Est-ce que on n'a pas juste des paysages juste magnifiques en fait? Je me mets dans des bourbiers moi à chaque fois. Tout va bien, tout va bien. C'est tellement beau. Voilà, ça c'est un cliché de magazine, les gars. Ça c'est un putain de cliché de magazine en fait. Je me suis pété de noisettes. Ah putain, ils vont jamais le passer le truc. Tu sais que comme un con, je croyais que j'étais en deuxième, j'étais en première, j'ai fait un wheeling sur la bosse. Enculé. Bah voilà les gars, je suis tombé, fallait bien un moment. Sinon c'est pas drôle. Ah sa mère. Alors je tenais à vous dire sur les vidéos. Là vous avez l'impression que littéralement je marche sur du plat. Mais pas du tout. C'est pas plat du tout. En fait, ça je m'emporte. Et je tenais à vous dire que le nombre de fois où j'ai filmé et que j'ai pas mis sur YouTube et que je regardais mes vidéos, je me disais mais tu t'en as chié à monter ça, le truc c'était du plat. Alors qu'en vrai, putain, c'est une dinguerie. Et en fait, pourquoi je suis descendu? Parce que du coup, il va falloir que je remonte après. Il a arrosé le daron. Il a arrosé le daron. Attends. Vas-y, 1, 2, 3. Oh putain, attends, il faut pas qu'il lui rentre dedans. Ah putain! Non, parce qu'il n'y a plus de grillage. Ouais, mais il suit, il va pas là-haut. Bah ouais. 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 Toujours laisser un peu d'espace avec les autres, parce que s'il y en a un qui est coincé et que toi t'as besoin d'élan, après t'es baisé. Je sais que cette règle on l'applique pas toujours, mais franchement ça sert. Ah ouais, c'est sympa. Ah là tu vois, j'entends, il galère. Je pense qu'il vaut mieux que j'attende un peu avant d'y aller. C'est bon, il a l'air d'être parti. Hop, on se met debout. Thank you.
Putain, là c'est marrant sur la GoPro, vous allez vous dire, mais le mec il en chie, il y a zéro angle, alors qu'en fait, putain, c'est hyper pentu. Je sais que William, il déteste le technique, il doit être servi là. Là, clairement, il est servi. William, il aime bien quand il y a des longs chemins où personne se fait chier. Là, il doit être en plaisir total. Mais je suis un sadique en fait. Ouah, j'ai rigolé, j'ai failli me péter la gueule à droite là. Parce qu'en fait, on voit pas sur la cam, mais on en dévers. En fait, on est vachement penché. Ça c'est nickel. J'étais en train de dire dans la vidéo, William, que t'aimes tellement les petits passages techniques comme ça. C'est marrant comme passage. Moi j'aime bien. Ah, attends, t'as peut-être besoin, ouais, quand même. C'est bon, il l'a. Ah putain, mon vieux rire, mais c'est trop drôle. Il va encore repartir. Ah putain, ah c'est drôle. Ah, l'enduro, franchement, à chaque fois on se tape des barres quand même. Il a plié l'arme en deux. Bah voilà. Et bah voilà. Me suis niqué l'épaule. Après je me demande, est-ce qu'on la laisserait pas ici? Non. Ok. Allez. Prêt? 1, 2, 3. C'est bon, merci. Je l'ai. Me dis pas que j'ai cassé un truc. Ça va. Oh si, oh mon levier. Oh. Et ben pour passer les vitesses, ça va être plus petit. Deux doigts. Enculé. Ah putain les gars, je sais pas ce qu'on fout là. Je sais pas ce qu'on fout là. Il en chie de... Ah je suis mort. Mais moi j'ai plus de levier d'embrayage, il est cassé au ras. Ah putain. Et vas-y, mais pour moi je galère à embrayer. En fait regarde. Non il est... Avant il allait jusque là.
Le problème, je l'ai qu'à un doigt. Je l'ai qu'à un doigt, mais si tu veux, j'ai plus de force dans le doigt. Genre, à force de faire ça comme ça, là, tu te...